Salut tout le monde, c'est PlayerGamer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc la dernière fois les amis, nous avons fait deux sanctuaires. Donc celui-ci et celui-ci. Celui-là. On avait trouvé deux Korogu aussi. Pas trop mal. Et on a trouvé un souvenir. Donc ça c'était plutôt cool. Le souvenir il a fait bien plaisir. Donc là je suis à la tour de Fironne. C'est ça, ouais, la tour de Fironne. Donc c'est parti, on l'active. On a trois sanctuaires à faire, les amis, j'espère les faire. Et si on a le temps, on se dirige vers la quête principale. T'avais le checker reconnu. Allez, c'est parti. Et boum! Acquisition de données locales. Alors, carte de zone est enregistrée. Bien. Alors, voyons voir. Alors, nos trois sanctuaires que nous pouvons faire. C'est un plus que trois, vous devez bien vous en douter. Alors, il y en a un ici. L'autre là. Et le dernier. Et le dernier. Ici normalement, je crois. Alors, on doit être ici à peu près. C'est parti. Hop. Ah, sanctuaire à proximité. On va essayer l'autre amiibo les amis. J'ai ouvert un amiibo pour l'instant. Alors normalement il y a un relais ici, non? Pas un relais? Ouais si, voilà, ça y est. Attendez hein. Excusez-moi. Hop. Alors, on va tisser un amiibo, les amis. On va tisser l'amiibo Link de Smash Bros. L'un des premiers amiibo sortis. Ah, une monture. Ah, d'accord. Ah, je crois que c'était disponible que avec le Link en à cheval dans Breath of the Wild. Ah, bah attendez. Ah, du coup, en fait, c'est comme si j'ai débloqué Epona, quoi. Bah pourquoi pas. Bienvenue dans mon relais. Hop, ça en esquive. Non, non, c'est bon. Bienvenue au relais. Voilà, enregistrer un cheval. Ah oui! Affection max, vigueur, vitesse, endurance, docile. Ah oui, il est pas mal. Pas mal comme cheval. 20 rubis, ouais, c'est bon, ça me convient. Ah, mais c'est Epona, la jument légendaire. Ah déjà un nom, il faudrait peut-être mieux le lycée. Ouais c'est clair. Quand es-tu en garde Epona? Allez. Voilà ta monture est enregistrée, est-ce que tu veux partir? Avec... non, je la laisse ici. Je n'en ai pas besoin, c'est à côté, voilà. C'est beaucoup. Ah super. Ok. Excellent. Ah bah j'ai Epona les amis. Ça va, pas mal cet amiibo hein. Pas mal du tout. Alors normalement le sanctuaire est ici hein. Normalement. Ah, par contre Champiermo je l'ai pas pris lui. Tac, voilà.
Bon bah c'est pas mal. Epona. Je me disais elle ressemblait à Epona, donc justement c'est Epona. Justement. Peut-être qu'il y a moyen que je garde la boîte en fait les amis. Peut-être que le détecteur de la Switch, il est peut-être. Peut-être que ça marcherait mieux si je mets pas le papier. C'est con, j'aimerais bien refaire un test, mais. Mais ça va pas être possible aujourd'hui. J'essaierai, je verrai bien. Moi en fait les amis je garde mes boîtes d'Amiibo. Enfin je les recolle en fait j'enlève Ah oui, trouver un équilibre, ça marche, pas de problème. Ouais, tant pas se faire chier. Voilà. Cinétis, le fameux. Hop. Là on s'embête pas, c'est très facile. Ah! Bah la fameuse épée du voyageur. Donc justement il me la faut pour l'enfant là qui veut voir les épées. Donc du coup. Ah j'ai envie de garder quand même la lance gardien 1.0. Ah je sais pas. Ouais on va l'acheter. Ça va. Je devrais aller le voir après le jeune enthousiaste, je pense. Ah. J'ai attendu trop de temps. Voilà. Ah, par contre, oui, c'est vrai. Par contre, on va prendre le coffre. Mais on aura besoin après. Nickel. Ça a pas fait ce que je voulais. Voilà. Donc lui par contre il est. Ce coffre-là, je peux pas le bouger. Un cœur antique, donc ça c'est parfait. Les cœurs antiques, en fait, le Mastério antique, c'est vrai que ça je vous l'ai pas dit. Mais les cœurs antiques vont nous servir, les amis. Beaucoup plus tard par contre. Parce qu'ils vont nous servir pour Farah. Rappelez-vous, Farah, c'est le deuxième scientifique que Prual nous a dit d'aller voir Farah parce que c'est un scientifique qui pourrait nous faire des armes super cool. Et je vous certifie qu'il va nous faire des armes très très cool. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faudra aller le voir. Bon, ça c'est fait, mais bon. Oh le joli bug. Mais bon, on ira le voir Farah beaucoup plus tard dans l'aventure, quasiment vers la fin de notre aventure. Enfin, quand on aura fini le principal, au moins, ça je vous le dis. Ou presque fini le principal. Alors, en tout cas, je m'attendais pas à ce que Stamibola lootait Epona. C'est pas mal, pas mal du tout. Alors, bien. Il reste deux à faire, donc on va aller au point bleu. On va regarder. C'est quoi ça, les particules? C'est pas la nuit de sang? La lune de sang? Ouais, si, c'est la lune de sang. Putain, c'est con, il y a un sanctuaire à se faire, les amis, mais. Bon, on l'a pas encore déverrouillé. Fait chier. J'aimerais bien le trouver ce sanctuaire là. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. C'est pas grave. Link, on garde. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Mais bon, il y a un sanctuaire où pour déverrouiller justement ce sanctuaire, il faut que ça soit qu'on soit en lune de sang. Et là, normalement, on y est. Un Korogu.
Ah là. Oh! Ah, je m'attendais pas à voir le dragon là. Parce que deux flèches par contre. Faudrait que j'utilise pour lui, hein. Lui c'est Rodrak, c'est vraiment là l'occasion rêvée. Il a looté! Il a looté l'écaille! Faut que j'aille la chercher. Pas chier. Quoi? Non! L'homme. Oh, mad. Dégoûté. Dégoûté. Non! Putain, le vieux game over. Oh, merde. Oh, merde, les sphères électriques. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas cool. Ah, du coup, là, tu vas pas respawn. Ah, fais chier. Ah, merde. Merde. Oh là là, on a foiré l'occasion, les amis. Ah, du coup, je suis mort et j'ai même pas eu Rodrak. Oh, purée. Et merde. Dégoûté. Merde. Ah oh, merde, j'avais son écaille en plus. Ah c'est con, elle m'aurait aidé. Il va falloir que je chope une écaille des trois dragons. Donc Nedrak, Ordak et Odrak et Rodrak. Ah oh, merde. Je suis deg. Ah, je suis très très deg. Putain, j'avais l'occasion de récupérer une des trois écailles. C'est con. C'est dommage. Bon, bah tant pis, hein. Écoutez, les amis. Faudra être plus prudent la prochaine fois. Et en plus, il pleut. Génial. Il fait du tonnerre, même. Merde, par contre là je veux grimper, donc comment je vais faire? Vous le sentez, je vais me prendre un truc de foudre dans la tronche. Bon là je vous le dis les amis, si je m'en prends un, je meurs direct. Je décède sur place. Ça y est, le temps il s'est calmé et on va bientôt repleuvoir. Ah merde, j'aurais dû le prendre. Un Roradimax Max. C'est sympa, mais j'aurais dû le prendre en photo. Quel con. D'accord. En fait, ici, je suis en zone de foudre. En zone où il y a... Ok. J'y arriverai pas. Ça sert à rien, je n'y arriverai pas. Il doit y avoir bien une autre entrée, mais où aller?
Oh putain, ce deuxième temple là, ce deuxième sanctuaire là, commence à être chiant. Ouais, si, je cherche pas, il y a que de la foudre ici. Je suis en zone où il y a que de la foudre. Du coup, faut que je monte, il y a peut-être une entrée pour monter, je sais pas. Ah ouais, bah ça, ah ça, je peux y monter, mais plus tard. Mince. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard celui-là. On va abandonner, les amis. Parce que j'aurai un pouvoir quand je serai. Quand je ferai la quête principale, les amis, j'aurai un pouvoir qui me servira à remonter le courant. Courant d'eau. Donc ça va être très utile. Ah, je suis encore deck pour l'autre. Pour Rodrak, putain. Ah, c'est con. Ah, ce con. Je suis deg. Je m'en mettrai pas dessus, hein. Purée. Très, très deg. Fait déjà 16 minutes, les amis. Purée. C'est au moins de finir ces deux derniers donjons, s'il te plaît, quoi. Non, ah, et eux. Ah, eux, c'est les pires. Vraiment essayer de les éviter eux parce que peuvent être chiants, peuvent être très embêtants. Ah merde, il y avait des. J'ai vu une espèce que je n'avais jamais vue. Dommage. Les fameuses herbes d'Hyrule. Ah, par contre. Je suis à max. Je suis à fond. Tac, tac. Donc ça, il faudra le faire régulièrement, les amis, hein, effacer les photos. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Donc il y a juste les photos souvenirs qu'on ne peut pas effacer. Normal. On va pas effacer ces photos-là, quand même. Du souvenir. C'est Zelda en personne qui les a prises. Waouh, c'est encore plus haut. Oh purée. Ils sont chiants ces sanctuaires là, je pourrais pas les faire. Il me faut un pouvoir et je galérerais beaucoup moins avec avec ce pouvoir. Je vais pas passer. Ah le bâtard. Yes, c'est bon, ça passe. Tac, banane lame. Nickel. Ah, attends, finalement le bleu, je pourrais peut-être le choper. Le point bleu, je vais peut-être réussir à en choper un des deux. En tout cas, le rouge, c'est mort, il est trop haut. Où est-ce qu'il est? Merde, c'est moi où j'ai fait une connerie là? Je suis pas déjà venu ici?
J'arriverai pas à le monter là. Ah putain, il est chiant. Il est chiant ce sanctuaire. Oh là là, cette pluie, elle m'énerve cette pluie. C'est de la merde. C'est chiant. Ah, je cherche pas, abandonne. Laissez tomber les amis, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas sur ces deux-là, c'est mort. Il me faut un pouvoir, tout simplement. Quand j'aurai ce pouvoir, ça sera beaucoup plus facile. C'est con, il réapparaît pas le dragon. Dommage. Bon, c'est pas grave, c'est pas la seule fois où on le verra, mais bon. C'est con. Ouais, c'est très dommage. Et là, comme par hasard, il fait beau. Et là, il fait de la foudre. Voilà. Ah d'accord, je sais quel sanctuaire c'est en fait. J'ai compris. J'ai compris. Bon. Écoutez les amis. On va se rendre à celui-là. Créature divine. Par où je pourrais m'élancer? Par là, ouais. Alors, pour finir le P, j'aimerais bien récupérer la tour. Donc la tour de l'Anel. On va avec la région de l'Anel. C'est parti, on va faire notre lieu principal. C'est rien, je pourrais pas avancer plus. Je ferai en off, les amis. Juste pour vous informer. En off, je vais aller chercher mes cœurs que je peux avoir. Donc deux cœurs, en fait. Je vais aller chercher là à Cocorico. À la statue. Là, avec vous, j'aimerais bien faire la tour de Firon, on va voir. Si c'est possible ou non. Alors. Normalement, un tour de Firon est. Allez, allez, allez. Ici. Normalement. Ah, là, j'ai un beau point de vue quand même. Je suis à une belle hauteur, donc normalement, je devrais le voir. Normalement, je devrais avoir sa position exacte. Ah voilà, ça va être celle-là. Ouais, voilà. Ah, j'étais pas loin en plus. Putain, j'étais pas loin. Bon, dans cette zone, il y a aussi des sanctuaires, les amis. Mais on les fera une fois la zone achevée. Une fois le premier temple fait. Alors, on va aller dans cette tour pour clore. C'est quoi le temps? 23 minutes 7 chaud. Hein. J'ai rien bouclé en 5 minutes, mais vu la tour, comment elle est loin, chaud. Oh! Regardez ce qu'on voit là-bas, les amis. Un gros animal. C'est ça qui est tellement marrant dans le jeu. C'est qu'on peut voir en fait, bon je vais vous faire un dessin, c'est la créature divine. Mais bon, c'est pas celle-là qu'on va faire. Ça c'est la créature divine du volcan d'Ordine. C'est une autre histoire. Oh, attention, je crois que cette tour-là, il y a beaucoup de monstres. Il va falloir faire gaffe. Normalement, il est pas dur à escalader la tour. Ou au pire, c'est pas grave, j'ai des brochettes. Champion d'Uro. Ah, un courgou. Je crois que je dois m'arrêter là. De toute façon, j'arriverai pas à y aller. Est-ce qu'il y a un caillou? Je vois pas le caillou. Est-ce qu'il est? Je vois pas le caillou. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours pas été voir l'enfant. Sympa.
Comme quoi, on découvre encore des choses. Voilà. Oh! Je crois que là, on va avoir de l'item sympa, les amis. Un petit javelot. Et... ah, l'arc des Sylvains, le fameux. Mais bon, il est pourri. Je vous cache pas, les amis, il est pourri. Enfin, il est mieux que les nôtres. Il tire trois flèches, en fait, c'est ça le truc. Le harpon. Certainement mieux. Ah, un javelot, il est nul. Ah, oh, il est nul. Rien d'autre. Bon, l'arc sylvain, on va le garder, mais bon. Il tire trois flèches, c'est ça le problème. Si on tirerait qu'une, je veux bien. C'est considéré comme un arc normal, mais un arc à trois flèches. Avec trois flèches, c'est un peu inutile, je trouve. Bizarre, je comprends pas là. Il y a un cercle Korogu, mais je trouve pas le caillou. Ah, là. Quand suffisait de demander. Bon, bah écoutez. C'est quoi, les amis? On s'arrête ici. C'est pas grave. La tour, ce sera pour plus tard. Je vais sauvegarder juste devant la tour, les amis, comme ça. Ça épargnerait la montée. Allez, au revoir. Là, les Korogu, les amis, vu que je sais pas si je le ferai à 100%, je pense oui. Je pense que je suis plutôt chaud pour le faire à 100%, donc c'est pour ça que dès que je vais voir un truc, un Korogu, je vais le choper direct. Allez les amis, merci à regarder cet épisode de Zelda Breath of the Wild. Ça y est, c'est le dernier, ça a été le dernier épisode annexe. Je pense qu'on est prêt pour faire le premier temple, ça va le faire, je pense. Donc merci à regarder, et la prochaine fois les amis, on attaque le principal, on reprend le principal. Allez, bye tout le monde!